Allons-y, collègues, Le vous inquiétez trottage, pas. l'Alzheimer. Vous inquiétez pas. Ah, de toute façon, ils vont rien faire. Bon. Attendez, ils sont à droite. Non, Bon. mais ils iront pas à la scène. Ils glandent devant la porte. Les mains. Attends, je le refais, au cas où. Bah, je sais pas, donc imagine c'est quand C'est même des eux. élèves avec leur permis provisoire. Oh, je sais pas, vous savez. Là là, Excusez-nous! donne-nous un nom, vous Excuse-nous. savez. Non, excuse-nous, excuse-nous. Excusez-nous, on cherche Monsieur, un vous êtes un prof? professeur! Oui, monsieur. Ah On bah nous cherche un aussi on est mal, professeur attends. apte. Ah Nous aussi on oui. attend, t'as fait. Fais attends. Oui, c'est là une Le seconde. professeur actuellement, il est en ticket bientôt. Venez, venez, c'est là une seconde. Ah. Ok, bah vous Ouais. demanderez. C'était là il y a une seconde. Ils étaient là il y a exactement vraiment une Vous aurez minute hein. dit. Une minute. Là, il vient. Attends, c'est lui ou pas? Zut. Ah Attends, bah je. il est. Je crois que c'est. Ah ouais, c'est un Pas de problème. professeur! Excusez-nous, on cherche un professeur, il y a une prise d'otage! Excusez-nous, vous cherchez un professeur. Bonjour, mais c'est Que pas se passe-t-il? professeur de faire ça hein, par contre. Il y a pas d'héros! Une prise Pourriez-vous. d'otage, prise d'otage. La Faites pas alors! Autorisation de venir Que avec se vous, passe-t-il? Suivez-nous! Pour La regarder. prise d'otage, suivez-nous. Il y a actuellement une prise d'otage, une personne est prise en otage. C'est le but d'une prise d'otage, oui. Logique. Non mais il y a une ou plusieurs personnes. Là je vous dis le nombre de personnes. Écoutez. Non, là on a une. Oh. Allons-y. Monsieur. On a Elle est rattrapé un rentrée. professeur. Vous voyez, on a un Ah, otage. pour des raisons d'évidence. On a un otage, monsieur. D'accord. Et vous voulez Alors? qu'on échange de cet otage? Une rentrée. Bien le bonjour, Vous monsieur. pouvez venir, hein, il a aucun piège, Il est on n'est rentré, que allez-y. Ah, cadres. aucun problème, aucun problème, monsieur, ne vous Il y a un inquiétez rouleau de merde pas. là-bas au fond, mais faites pas attention à ça. Mais, Du coup, vous monsieur, voulez on n'est pas quoi dans méchant. votre chambre? Regardez comme cet otage est heureux. Oui! Oui, Regardez, il pleure de regarde, joie, c'est c'est magnifique. marqué chambre du Ouais. bonheur. Comment il pourrait être malheureux? Ah oui, il y a la lumière et tout, c'est Ouais. magnifique là, c'est bon. Vous voyez bien que du coup, on n'est pas méchant. On a hésité Bon, à vous mettre un souhaitez lit, mais quoi? malheureusement, elle veut partir. Ah bah, un petit peu d'argent, vous savez, c'est pas de refus quoi. Et comme on est Ouais. quatre, ça va coûter un peu cher. Hein. Non, non, En non, plus, vous avez vu il les en a un lumières, de vous tous. l'installation et tout. Il y en a un de vous tous Ouais, qui va ça prendre doit coûter l'argent. cher. Et moi, j'essaie une couverture médiatique. Je souhaite passer à la télé. Quoi? Moi, je souhaite Écoute, avoir ma propre pub, moi. tu passes tout seul. Pour du déodorant, Moi, c'est je m'en mon fiche. rêve. Je voulais Et moi, juste je les mets un aider pull parce que premium c'est là, pour c'est des jouer. darks à souliers. Bref. Ah oui. Bref, va voir avec eux parce que moi, je suis juste parti les aider. Mais pour l'instant, Ah, moi, je passe ils ont un petit peu du mal. je passe aux infos, moi. Passe à la télé. Bah, tu vois ce que j'ai fait au mur là-bas? Et bah, tu vas faire la même.
Ah non, je passais la vraie télé. Ton prénom et tout. Bah, tu prends une caméra et tu fais la vraie télé. J'aimerais une demande sérieuse, s'il vous plaît. Vous souhaitez quoi actuellement? Ok, je parle. De l'argent. On te veut toi, parce que t'es beaucoup... Non, de l'argent. Non, beaucoup d'argent. L'argent. Argent. Argent. Les moyens pouvoir d'affaires, tu connais, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, elle est en pleine santé, elle est bien, quand même bien gardée, hein, elle n'a pas blessée, la lumière partout. Bon, elle... 4, ça nous a pris un peu de temps, ça nous fera environ, ouais. Je pense, allez, 400 000 hein. Elle a une sale gueule, mais c'est naturel. 400 000 pour tout le monde, quand même, c'est déjà pas mal, hein. Bah, c'est... on vous fait un prix. 400 000, hein. Divisé par 100 000, les 4, ça le fait, hein. Moi je suis sûr. Écoutez-moi, 40 000, là, bah... possédez... Vous possédez un hôtel, je sais pas comment c'est vous. Mais vous vous rendez compte que là vous demandez 400 000 pour une personne. Bah c'est une lumière. Ok, ok, ok. Alors, on va vous demander pour 100 000. 100 000. Viens à côté, viens à côté. Parce que là, c'est exagéré, 100 000. C'est bizarre, t'as capté. Si vous préférez, je voulais les aider parce qu'ils me faisaient pitié. Moi je veux une couverture médiatique, moi je veux juste passer à la télé, j'en ai rien à faire de l'argent. Ha ha. Bah, regarde, 5000, tu vois, qu'on est 15, moi, si tu veux passer à la télé, genre passer devant un écran. Ah non, non, passer comme, comme aux infos, passer sur l'interview. Recruter les gens, mais attendez, recruter les gens, mettre la lumière et tout, c'est cher. Et je vois, je vois. Et la dernière fois, je l'ai payé. Bah, si tu préfères, c'est toi, tu prends une caméra, hein, caméra ça paye, hein. Et tu commences à filmer. Mais ça, c'est l'État, ça. C'est des voleurs. Ça a des zéros. Je verse ça. 1000, ça me va. Moins de 40 000, ok, oui. C'est bon. Ouais, wesh, mais 10, non, 10 cas par con, personne. Hein. Tu vas voir pourquoi je demande ça. C'est un pont, mais t'es con, quoi, t'es con. Ok, on fait confiance au capitaine et on va demander 40 000. Ok, voilà. Laissez-moi un peu de temps pour trouver cet argent. Très bien, monsieur. Pas difficile, hein. Toi, qui est con? Alors, qui est con? Tu vas recevoir 10 000 à la coupe de rapport. Écoute, écoute-moi bien. Écoute. S'il veut donner de la thune. Écoute, écoute bien. Tu aurais pu recevoir 25 000 et tu vas recevoir que 10 000. Qui est bête? Attends, tu veux savoir? Alors déjà, ce qui est débile, c'est qu'il peut passer au-dessus et vous regardez même pas l'hôtel. Donc à tout moment, il s'enfuit avec la porte mais ouverte. Il peut pas passer par-dessus. Tu es con. Chut, chut, chut. Il peut pas. Putain, il ouvre la porte s'il revient. Mais imagine, ouais, on ouvre la porte comme ça, les héros ils vont venir. Ils peuvent rien faire. Ouais. Je peux ralentir, il en a un ou trois qui la bute. Okay. En plus, on a un otage. Un otage, ça nous donne beaucoup de pouvoir. Ouais. Pas vraiment. Beaucoup. Ouais. Bah, si. Sachant qu'il suffit d'une balle perdue et elle est KO. Ah, moi, je veux passer à la télé, moi. Moi, je m'en fiche de l'otage. Il est venu que pour la télé. Toi, t'es là pour être célèbre en fait. Ah, ouais, je vais être célèbre. La télé, la télé. Écoutez, j'ai hâte d'être célèbre. Là, je veux trop être célèbre. Oh, il est là, il est là. On va être célèbre. Ouais, bienvenue, hein. Bienvenue, rentrez, allez-y. Bah, ouvrez-lui. Ah. C'est ouvrir une porte, il est pas con quand même. Attendez. Bah, il a l'air. Il a l'air d'être attardé. Allez-y, venez, rentrez. Oh, oh, putain. Eh, c'est une valise et tout, hein. C'est le FBI ou quoi là? Vous êtes un peu trop duc. Vous faites rire. Avant tout ça, je vous demanderai de déjà enlever les cages en face de l'otage et qu'ils puissent s'approcher. Allez, vas-y, fais-le. Vous voulez pas, hein? C'est Karma Gold de Médiatique, hein, oubliez pas. Bon, je vous laisse. Yeah, cool. Restez là au cas où. Ouais. Merci bien, monsieur. Faire maintenant. On partira très loin. Bien. Tiens, mais je la porte à clé. Voilà, c'est bon. Vraiment des bras cassés, hein. Je le dis. Oui, fort, vous avez des bras cassés. Des bras cassés. On a eu les 40 000, on a eu ta récompense. Dépêchez-vous, tu vas courir par là. Je m'appelle Chacal. Wesh. What the fuck. Oui. Ouais, on va. Trace, trace. Trace, il a explosion. Trace, il a explosion. Ouais, mais...
Bon, la couverture médiatique, ça sera fait au plus vite. Bon, les débiles. Hop, maintenant, c'est l'heure de passer à la télé. Allez. Salut à tous et à tous. Me voici, Carmagold, le futur roi des vilains. Je travaille seul. J'ai réussi à avoir cette petite interview, ce petit passage à la télé. J'ai réussi à avoir ça lors d'une prise d'otage. L'argent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la popularité. Je suis lourdement armé. Bientôt, je détruirai quelques bâtiments et mettrai le feu. Le feu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, être armé, c'est quelque chose de bien. Oh là là. Mettre le feu, c'est une passion. Bon, j'espère que vous êtes prêts. A voir l'arrivée de Carmagold, le plus grand des vilains. Vous voyez les petits guignols de l'Alliance? On n'a rien à foutre. Les autres groupes? Rien à foutre. Je travaille tout seul. Mon but? Tuer votre numéro 1. Et tous les héros qui vont avec. Je suis pas un enfant de cœur. On pourrait croire, après tout ça, j'étais assez banal, assez... C'est idyllique, hein. Rien de spécial, mais c'était juste... Pour ce petit passage à la télé. Maintenant ça a changé. Je passerai pas à la télé parce que j'ai mendié ça lors d'une prise d'otage. Je passerai à la télé parce que j'aurais tué votre famille. Bien au revoir, ce vulgaire Magold. Le futur numéro 1 des méchants et le tueur de héros. Terminé. Alors, où se trouve-t-il? Sérieusement? Putain. Ah, vous êtes déjà là? Sérieusement? Je voulais pas être... si... Me revoilà. J'ai oublié quelque chose. Demain. Oui, demain. Exactement. Vers les lieux de 23h. Un de vos héros mourra. Bon, j'essaierai de le filmer. Pour que ce soit retransmis à la télé. Vous savez, j'aime bien que ce soit bien filmé comme ça, au moins vous voyez tout, hein. Vous voyez tout mon travail. J'ai oublié d'annoncer ça. Vous oubliez pas, hein. Demain, 23h. Un de vos héros mourra. Et après, ce sera au tour des professeurs, quand tous les héros seront morts. Mais ça m'intéresse pas les secondes, vous savez. Je suis pas. Oh là, je suis pas une salope. Je vais pas attaquer les secondes. Je m'intéresse direct aux adultes. Aux héros. Non, je veux dire aux faux héros. Ceux qui pensent qu'ils sont des vrais héros. Je suis là pour nettoyer tout ça. Et faire ma propre loi. Bon. Voici l'annonce a été faite. Je peux enfin vraiment terminer. À demain 23h. Vous verrez tout demain. Et la mort de ce héros.